Bonsoir à tous. Je vais vous demander de vous installer, s'il vous plaît. Nous allons commencer cette séance. Pour l'appel, Monia Benaïssa, s'il vous plaît. Madame Michèle Picard. Présente. Madame Yolande Pétavin. Présente. Monsieur Pierre-Alain Millet. Présente. Madame Salia Prudhomme-Latour. Présente. Monsieur Idir Boumertit. Présente. Madame Véronique Forestier. Monsieur Anouar Sgaïer. Présent. Madame Samira Mesbahi. Présent. Monsieur Diliani Ben Mabrouk. Présent. Madame Véronique Calu. Présent. Monsieur Berem Braiki. Présent. Madame Souad Ouasmi. Présent. Monsieur Nicolas Poré. Présent. Madame Patricia Ouvrard. Présent. Monsieur Amjatou Ndiaye. Monsieur Nasser Kamla. Madame Valérie Talbi. Présent. Monsieur Jean-Maurice Gautin. Présent. Madame Joëlle Constantin. Présent. Monsieur Albert Nigra. Pouvoir à Monsieur Idir Boumertit. Monsieur Pierre Mathéo. Monsieur Saïd Amidou Alaoui. Présent. Madame Sandrine Picot. Continuez. Monsieur Jeff Ariano. Présent. Madame Nathalie Dehan. Présent. Madame Amel Kamassi. Madame Christelle Charel. Présent. Madame Sophia Brick. Présent. Monsieur Karim Seride. Seguer, pardon. Monsieur Aurélien Scandolara. Pouvoir à Michèle Picard. Monsieur Mourad Yazar. Monsieur Yannick Bustos. Pouvoir à Patricia Ouvrard. Monsieur Benoît Couliou. Madame Aude Long. Monsieur Maurice Yacovella. Monsieur Mustapha Gouila. Pouvoir à Monsieur Maurice Yacovella. Monsieur Lotfi Ben Khalifa. Madame Fatma Lucif Amidouche. Pouvoir à Monsieur Yalcine Evali. Monsieur Farid Ben Moussa. Monsieur Yalcine Ivali. Présent. Madame Fazia Ouata. Madame Camille Champavert. Madame Estelle Gélade. Pouvoir à Madame Fazia Ouata. Madame Marie-Danielle Bruyère. Pouvoir à Monsieur Christophe Girard. Monsieur Christophe Girard. Monsieur Lionel Pillet. Monsieur Frédéric Passot. Monsieur Damien Monchot. Merci, Monia. Une information, donc, Madame Fatma Lucif Amidouche donc, quitte le groupe politique Nous Vénitieux et rejoint donc Monsieur Yalcine Evali dans une création de groupe qui s'appelle donc Union des Vénitiens Indépendants. Y a-t-il des observations sur le compte-rendu de la séance intégrale du 1er février 2021. Il n'y en a pas, nous passons aux voix. Qui est pour ? Merci. Qui s'abstient ? Merci. Je vérifie. J'ai pas dit contre. Qui est contre ? J'ai pas dit. Normalement, c'est tout bon.
Merci. Donc, comment ? Donc, ce compte-rendu est donc adopté. Nous allons commencer l'ordre du jour par le premier rapport qui concerne l'intercommunalité pacte de cohérence métropolitain avec un avis du conseil municipal. Donc, mesdames, messieurs, en vertu de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, donc la loi MAPTAM, et de l'article L.3633-3 du Code général des collectivités territoriales, la conférence métropolitaine élabore, dans les 9 mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Il fixe pour la durée du mandat la stratégie de délégation de compétences de la métropole aux communes et des communes à la métropole de Lyon. Le projet de pacte est élaboré et adopté par la conférence métropolitaine des maires. Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de métropole après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire. Le projet de pacte est le fruit d'un travail conjoint entre l'exécutif de la métropole et les maires des communes, mené au sein des conférences métropolitaines, des conférences territoriales des maires, donc les CTM, et de groupes de travail spécifiques. Il pose le cadre des relations entre la métropole et les communes en décrivant le fonctionnement des différentes instances et en ciblant des enjeux prioritaires de coopération. Au cours de la séance du 29 janvier 2021, le projet de pacte a été adopté par la conférence métropolitaine des maires à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. Les 59 communes de la métropole sont donc appelées à formuler un avis sur le projet de pacte de cohérence métropolitain qui sera ensuite délibéré par le conseil de métropole. Le projet de pacte de cohérence métropolitain précise les principes structurant la relation métropole-CTM-commune, renforçant le pôle des instances de gouvernance que sont les conférences territoriales des maires et la conférence métropolitaine des maires. Il affirme que l'information fluide et régulière des conseils municipaux sur les projets et actions de la métropole est primordiale, reconnaissant ainsi la place des communes comme collectivité de plein droit dans la métropole. Le projet de pacte propose une méthode de coopération autour de 7 axes stratégiques prioritaires pour lesquels la coopération avec les communes est indispensable à la mise en œuvre d'une politique métropolitaine efficace au service des habitants du territoire. Donc, je vous cite les sept axes, revitalisation des centres-bourgs, éducation, mode actif, trame verte et bleue, l'alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage, le logement, accueil, hébergement, digne, abordable et de qualité, et le développement économique responsable, emploi et insertion. Il y a également consacré la poursuite de 6 domaines de coopération préexistants et structurants pour la relation entre les communes et la métropole, dont la pertinence se confirme. Action sociale, santé, culture, sport, vie associative, propreté, nettoiement, politique de la ville, maîtrise et accompagnement du développement urbain. Chaque conférence territoriale des maires aura ensuite, dans les 9 mois suivant l'adoption du pacte au Conseil de métropole, à formaliser un projet de territoire 2021-2026. Le projet de territoire formalisé, à l'issue d'une démarche de concertation et de co-construction entre communes d'une même conférence territoriale des maires et la métropole, permettra d'identifier les axes stratégiques du pacte et domaines de coopération dont la CTM souhaite se saisir et les projets opérationnels s'y rattachant. Après adoption en conférence territoriale des maires, le projet de territoire sera ensuite délibéré dans les conseils municipaux des communes composant la CTM pour avis, puis délibéré au conseil de métropole. Les moyens financiers. Donc, le projet de pacte de cohérence métropolitain présente également les moyens alloués pour permettre sa mise en œuvre. Une enveloppe financière territoriale de 200 millions d'euros au global est allouée au CTM pour les années 2021-2026. Elle permet le financement d'opérations d'aménagement du domaine public en proximité via le fonds d'initiative communale, donc ce qu'on appelle communément le FIC, et les actions de proximité, donc la PROX, pour 118 millions d'euros sur le mandat. Elle permet également le financement des projets opérationnels s'inscrivant dans les axes stratégiques du pacte pour un montant total de 82 millions d'euros sur le mandat. Un chantier d'approfondissement de la territorialisation des services et des politiques publiques métropolitaines est engagé. Le dispositif d'ingénierie territoriale est conforté au travers des réseaux, outils et plateformes de services existants et dont le développement est à poursuivre. Donc, il est demandé l'avis du conseil municipal. Donc, ce projet permet de faire évoluer les enveloppes territoriales, désormais basées sur le nombre d'habitants et de kilomètres de voirie, pour une répartition plus égalitaire entre les communes.
La mise en place d'une enveloppe dédiée pour les projets opérationnels à l'échelle des CTM est une nouveauté qui nécessitera une clarification des processus d'élaboration et d'arbitrage. Ces évolutions devront aussi être accompagnées d'une réforme de l'attribution de la dotation de solidarité communautaire en 2021 afin de tenir compte de la contribution de chaque territoire à la dynamique métropolitaine. Par ailleurs, ce projet de pacte énonce des propositions très opérationnelles et utiles avec des contrats de territoire portant des politiques métropolitaines, mais n'aborde pas clairement la relation entre communes et métropoles. Pour que les communes puissent prendre toute leur place dans le processus décisionnel sur les sujets qui le concernent, l'avis des conseils municipaux devrait être systématiquement recherché pour les compétences métropolitaines dont la mise en œuvre nécessite la coopération avec les communes et les avis rendus annexés aux délibérations du conseil de métropole. Ainsi, il est proposé de soumettre au Conseil de métropole deux amendements au projet de pacte de cohérence adopté par la conférence métropolitaine du 29 janvier 2021. Ces propositions s'inscrivent dans l'esprit du texte en éclairant mieux la place des communes dans la métropole. Donc au paragraphe 2.5, qui précise que les délibérations portant sur des conventions entre la métropole et les communes ont vocation à être débattues avec les élus municipaux. Cela se limite aux actions du pacte, donc par exemple, ne reprend pas les consultations du conseil municipal existantes sur le PLUH, le PPGID, la ZFE, le RLP. Il est donc proposé d'enrichir ce paragraphe 2.5 avec deux ajouts simples. Donc l'information fluide et régulière des conseils municipaux sur les projets et actions de la métropole est primordiale. Et donc là, nous ajoutons, elle doit permettre à une ville de porter connaissance de la métropole un avis sur un projet de délibération métropolitaine la concernant. Cet avis est alors obligatoirement annexé à la délibération métropolitaine. Puis ensuite, le deuxième amendement, puis l'alinéa suivant, donc dans le cadre de la mise en œuvre des actions du pacte, les délibérations portant sur des conventions entre la métropole et les communes ont vocation à être débattues avec les élus municipaux. Et là, nous rajoutons, les avis des communes sont intégrés aux délibérations métropolitaines. Je vous demande donc d'émettre un avis favorable au projet de pacte de cohérence métropolitain adopté par la conférence métropolitaine des maires le 29 janvier 2021 et d'approuver les amendements à soumettre au Conseil de métropole. Je vous remercie. Je note. Hein. Madame Ouata, allez-y. Les autres, si vous pouvez continuer de laisser vos mains levées. Allez-y, Madame Ouata, merci. Madame le maire, décidément, vous avez du mal avec la métropole. Bien que vous en soyez la vice-présidente, il semble que vous n'ayez toujours pas compris que la métropole n'est plus un établissement de coopération intercommunale. La métropole, c'est désormais une véritable collectivité locale avec des compétences propres. Une collectivité à part entière qui ne doit rien aux communes de son territoire. Et pourtant, ce rapport commence par le mot « intercommunalité ». C'est dire l'incompréhension qui est à l'origine de cette délibération. C'est dire aussi, sans doute, la confusion que vous entretenez, ou pire, que vous subissez. Vous notez avec une drôle de jubilation que le fait que la métropole se propose de diffuser l'information aux communes est la preuve que celles-ci sont bien des collectivités de plein droit. Madame le maire, doutiez-vous que la mairie de Vénissieux soit une collectivité de plein droit ? Parfois, nous avons du mal à comprendre vos satisfactions. Nous avons aussi du mal à comprendre le sens de vos propositions d'amendement. Vous souhaitez qu'à chaque fois que la métropole aura un projet, elle devra demander son avis à la ville concernée et annexer cet avis à la décision. Eh bien, ça va en faire des réunions, ça va en faire du papier. Avec vous, on n'est pas prêt de fluidifier les circuits de décision, à croire vraiment que vous adorez la bureaucratie. Pourtant, il y avait des choses intéressantes à dire sur ce projet de pacte de cohérence. Vous auriez pu noter que le document ne propose aucune stratégie de délégation de compétences de la métropole aux communes et des communes à la métropole. Et ça, c'est dommage. Vous auriez pu mieux souligner que les moyens alloués au pacte, ces 200 millions d'euros, soient enfin proportionnels au nombre d'habitants des communes et au kilométrage des voiries. Et ça, c'est plutôt un progrès. Toujours à propos de cette enveloppe budgétaire, vous auriez pu regretter que chaque commune bénéficiera de manière forfaitaire de 25 000 euros de FIC, le fonds d'initiative communale, une somme attribuée à chacune des 59 communes de la métropole
alors que 9 d'entre elles ont été identifiées comme carencées au titre de la loi SRU. 9 communes qui refusent délibérément de construire 25% de logements sociaux, mais qui vont quand même bénéficier des largesses de la métropole. 25 000 euros par an, c'est une somme qui les aidera peut-être à payer les amendes qu'elles préfèrent avoir au lieu d'accueillir des logements sociaux. C'est un sujet, ça. Peut-être plus important encore que d'annexer tous les avis du conseil municipal. Bref, il y aurait eu beaucoup de choses plus intéressantes à dire sur ce projet de pacte, de cohérence, que votre rengaine communautaliste. Mais comme toutes les révolutions, il faudra du temps pour que cette réalité métropolitaine s'impose dans les esprits. Nous nous abstiendrons. Merci, Monsieur Evali. À vous le pacte de cohérence métropolitain. On se souvient que ce pacte proposé par le Grand Lyon, vous n'en vouliez pas. À l'époque, en 2015, vous avez même proposé au conseil municipal un pacte écrit par vos services, à la sauce vénitienne. Comme à votre habitude, il fallait que l'agglomération entende votre voix, il fallait exister, comme d'habitude, vous n'êtes que dans l'imposture. En novembre 2015, vous aviez déclaré dans votre journal personnel Expression « Notre objectif est de défendre l'intérêt de la ville et des habitants. Nous cherchons les meilleures conditions d'application du pacte. » Et aujourd'hui, Madame le maire, vous n'avez plus peur que le grand méchant lion avale Vénitieux ? Vous avez évolué ou c'est de l'opportunisme ? Aujourd'hui, vous n'avez plus peur puisque vous faites partie de l'exécutif. En 6 ans, vous ne proposez que 2 amendements. Finalement, le pacte de cohérence métropolitain, qui n'est que la réaffirmation d'une mutualisation des politiques publiques pour plus d'égalité entre les territoires, n'était pas si mauvais que ça. Vénitieux a perdu 6 ans. 6 ans où Vénitieux aurait pu bénéficier de la dynamique économique de la métropole. Comme par exemple l'implantation de nouvelles entreprises à Vénitieux pour faire baisser le chômage. Mais votre idéologie passe avant l'intérêt des Vénitiens. D'ailleurs, vous préférez attirer les promoteurs immobiliers pour construire des logements sociaux, là où il y en a plus de 70%, que de faire venir des entreprises. Revenons-en aux amendements que vous proposez. L'information fluide et régulière des conseils municipaux sur les projets et actions de la métropole est primordiale. Elle doit permettre à une ville de porter à connaissance de la métropole un avis, un projet de délibération métropolitaine la concernant. Cet avis est alors obligatoirement annexé à la délibération métropolitaine. Vous proposez que l'information soit fluide et régulière. Chiche. Oui, il faut de l'information et de la transparence. Il ne faut pas que de la propagande. Il faut du débat. C'est sain pour la démocratie, mais ça, vous ne savez pas faire et vous la démontrez au quotidien. La preuve, vous ne répondez pas aux questions posées aux conseils municipaux, quand vous ne nous coupez pas la parole, et encore moins au courrier de l'opposition, une vraie démocrate. Vous souhaitez que les avis des communes soient intégrés aux délibérations métropolitaines. Pourquoi cette demande ? Que craignez-vous ? Vous faites partie de l'exécutif métropolitain, donc vous faites partie des décideurs, et malgré tout, vous craignez que les décisions que vous voterez à la métropole soit différente de celle que vous voterez au sein du conseil municipal de Vénitieux. Madame le maire, les Vénitiens ont l'habitude de vos grands écarts. Hier, vous étiez en vent debout contre le pacte de cohérence. Aujourd'hui, vous le portez avec fierté. Vos amendements sont juste inutiles. Madame le maire, vous demandez à la métropole ce que vous êtes incapable de faire au sein de votre majorité et encore moins envers les élus de l'opposition qui représentent des électeurs. Vous connaissez certainement cette maxime « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». En clair, montrez l'exemple, appliquez ces règles à votre propre collectivité pour commencer. Merci. Monsieur Iacovella. Madame le maire, mesdames et messieurs, je suis désolé, j'ai eu dans le vent. Pour la première fois, le conseil de la métropole de Lyon est constitué de conseillers élus au suffrage universel direct, comme la plupart d'ailleurs de nos collectivités territoriales. Le projet de pacte de cohérence que vous nous soumettez ce soir, élaboré par la conférence métropolitaine, définit le cadre de la relation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire. En effet, il définit les principes structurants de la relation métropole-commune
et propose une méthode pour aborder les axes stratégiques prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre d'une politique métropolitaine efficace. En outre, il confirme la poursuite des domaines de coopération préexistants dans l'ancienne mouture, si je puis dire. Malgré cette volonté méthodologique, louable, le groupe Vénitieux Pluriel s'abstiendra lors du vote principalement pour deux raisons. La première recouvre la modification des contours des conférences territoriales des maires. En effet, il est primordial que les limites de ces dernières correspondent aux circonscriptions électorales instaurées. Sinon, pourquoi faire autant de choses ? C'est un coup porté là au pacte, mais démocratique, très préjudiciable en ces temps de défiance. 10 CTM pour 14 circonscriptions. Il y en a 4 qui tombent à la trappe. La deuxième est induite par cette modification qui pourrait désorienter et détourner certains citoyens. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Girard. Monsieur les élus, mesdames et messieurs, donc a priori, il n'y avait pas de micro au début, donc simplement, je vous souhaitais bonsoir. Ce pacte de cohérence métropolitain prévoit les grandes orientations, mais sans communiquer les grandes lignes du mandat. La PPI est inscrite, mais aucune ligne n'a été communiquée. On voit déjà se mettre en place une gouvernance favorisant les communes politiquement amies, ce qui est le cas de Vénitieux. Mais est-ce vraiment l'intérêt de la métropole de créer de tels dysfonctionnements ? Quel avenir pour la métropole si l'on cède à l'esprit partisan ? Par ailleurs, dans ce pacte, aucune position claire sur la vision de la métropole en termes de politique industrielle. Quid du maintien de l'industrie et de l'emploi sur la métropole ? À ce jour, rien de défini sérieusement. De même, il n'y a aucun point sur la sécurité, alors que ce sujet est plus que d'actualité et que beaucoup de compétences de la métropole sont impactées. Collèges, choix de l'urbanisme, par exemple. Mais, quelles que soient les déclarations de principe sur la coopération entre la métropole et la municipalité contenues dans ce rapport, l'important restera toujours la volonté concrète de faire avancer les sujets. À ce titre, je voudrais apporter deux illustrations du dysfonctionnement actuel auquel il faudrait remédier rapidement. Tout d'abord au sujet du collège Alain, ou plus exactement son annexe sur Vénitieux. Je rappelle que les collèges relèvent de la compétence de la métropole, mais sont bien évidemment implantés dans une commune. Quand on parle de pacte de cohérence, les mots sont forts. Mais depuis l'implantation de cette annexe du collège de Vénitieux, où est la cohérence entre la métropole et la ville de Vénitieux ? Des parents d'élèves s'inquiètent de son implantation à moins de 100 mètres d'une station essence, mais visiblement, cela ne crée pas de doute chez vous. Les parents s'inquiètent à juste titre de la dangerosité des accès aux bus depuis 2 ans, mais rien n'avance réellement. Pendant ce temps, chaque jour, des grappes d'enfants traversent la route et se mettent en danger. Les retours des parents sont explicites. Je les cite. Les maires de Vénitieux et de Saint-Fond nous disent être d'accord avec nous, mais rien ne bouge. Et de s'interroger, ils attendent la catastrophe pour agir, ils attendent qu'il y ait un enfant mort. D'autres disent encore, il aura fallu près de 2 ans pour un malheureux traçage au sol d'un arrêt de bus scolaire pour les transferts du sport et de la cantine des jeunes, mais les panneaux ne sont toujours pas installés. 2 ans. Et avec tout cela, vous venez de voter le mois dernier en commission permanente de la métropole l'agrandissement du collège. Pourtant, avec les 240 élèves actuels, la cour est déjà jugée trop petite, les flux de sortie sur la voie publique sont dangereux. Et vous voulez encore augmenter le nombre d'élèves. Où est la cohérence ? Les parents d'élèves seront reçus jeudi prochain, le 11 mars, par M. Collas, vice-président du CITRAL, au sujet de la sécurité des enfants. Espérons que cette fois, cela avancera concrètement, car pour l'instant, les parents expriment leurs doutes en disant « ils nous baladent constamment ». Encore une fois, où est la cohérence d'action entre vous et la métropole ? Autre sujet qui aurait besoin de cohérence entre vous et la métropole, c'est l'ancien jardin ouvrier de la rue Chênevelin, derrière Carrefour, qui est depuis quelque temps le théâtre d'installations sauvages. On aperçoit régulièrement des véhicules haut de gamme qui dénotent avec les installations de fortune type bidonville, ce qui fait penser en tout point que l'on pourrait bien avoir affaire à une énième installation d'un camp de migrants.
Vous savez que la réactivité s'impose dans ce genre de situation et pourtant, rien n'est fait, ni de votre part, ni de celle de la métropole. Nous sommes donc partis pour un an, voire plus, de procédures énergivores et coûteuses. Encore une fois, où est le pacte de cohérence entre vous? Au regard de tout cela, les deux amendements que vous proposez semblent un minimum de bon sens, et nous y souscrivons, puisqu'ils visent à une plus grande prise en compte des avis des municipalités. Notre groupe La République Partout pour tous va donc voter favorablement ce rapport pour les deux amendements qu'il porte. Mais ce vote ne doit pas être considéré comme un vote favorable au pacte de cohérence au nom de tout ce que j'ai évoqué plus haut. D'ailleurs, pour ce qui concerne votre groupe, Madame Picard, que voterez-vous à la métropole si vos deux amendements présentés ce soir n'étaient pas retenus? Merci, Madame Dehan. Merci, Madame la maire. En ce 8 mars, alors que je prends la parole au nom du groupe L'écologie à Vénissieux, je forme le vœu que, ici, en France comme ailleurs, la parole des femmes résonne plus et mieux encore dans un monde qui en a bien besoin. La métropole souhaite travailler en confiance avec les communes. Elle fonde la collaboration avec les communes sur les principes de transparence et de respect. Les communes, effectivement, ont le droit à la clarté sur ce qui sera fait ou non. Il s'agit donc d'un pacte qui propose des axes clairs de coopération au service de la transition écologique et solidaire de la métropole. Le projet du pacte de cohérence métropolitaine souligne que l'information fluide et régulière des conseils municipaux sur les projets en action de la métropole est primordiale. Les maires ont été largement associés sur l'élaboration du pacte depuis septembre 2020. Trois conférences métropolitaines des maires, CMM, en plus de la CMM d'approbation. 10 réunions des conférences territoriales des maires, CTM. Un groupe de travail des maires sur le volet financier du pacte qui s'est réuni 3 fois. 2 projets de pacte soumis aux maires et débattus collectivement. Ce projet collaboratif entre la métropole et la commune se retrouve dans la gouvernance territoriale avec des conférences territoriales des maires à la capacité d'initiative renforcée, espace d'échange, d'information, de consultation, d'initiative pour le développement intercommunal, la prise en compte du contexte de gouvernance renouvelée par la participation une fois par an des conseillers métropolitains à une séance plénière des CTM de leur circonscription, une déclinaison du pacte par l'adoption de projets de territoire à l'échelle de chaque CTM, permettant de tracer des perspectives pour les territoires, d'y inscrire des projets opérationnels répondant aux enjeux locaux. Issus de ce travail, 7 axes stratégiques pour les territoires ont été retenus. Axe stratégique numéro 1, revitalisation des centres-bourgs. Traiter la revitalisation dans toutes ses dimensions par la mise en place d'une gouvernance territoriale à l'échelle des CTM pour développer des stratégies concertées ou encore la réflexion sur la mobilisation, voire la mutualisation des moyens actuellement dédiés au commerce dans les territoires. L'axe numéro 2, éducation, renforcer la continuité du parcours de l'élève et des liens collège-école, pour la création d'un observatoire de la démographie scolaire pour intégrer les enjeux de mixité sociale. Le développement du rôle de la métropole dans les cités éducatives ou encore la construction d'un continuum concerté de parcours d'éducation artistique et culturelle. L'axe numéro 3, comme vous l'avez dit, mode actif, transformer en profondeur les modes de déplacement des Grands Lyonnais et résorber les discontinuités par le déploiement du plan piéton en co-construction avec les communes et le développement du réseau cyclable de proximité. Axe 4, tram verte et bleue. Lutter contre les îlots de chaleur, développer la nature en ville par l'appui en expertise de la métropole sur la protection et le développement du patrimoine arboré, la mise en place de conventions métropole-commune-acteurs privés de soutien financier aux projets de végétalisation et plantation d'arbres. Axe 5, l'alimentation de la production à la lutte contre le gaspillage,
permettre l'accès à tous les habitants de la métropole à une alimentation diversifiée et de qualité par une ingénierie de la métropole aux communes autour de la restauration collective et une réflexion sur la mutualisation d'équipements, le développement de l'approvisionnement en bio et en local via la centrale d'achat créée en 2019 ou encore la promotion du compostage. Acte 6, logement, accueil, hébergement, digne, abordable, de qualité. Lutter contre les inégalités en matière de logement et tendre vers une meilleure qualité de vie par la poursuite du réseau Habitat indigne et péril. Augmentation de la production de logements sociaux ou encore l'élargissement à l'adhésion à l'organisme foncier solidaire. Axe 7, développement économique responsable, emploi et insertion. Rendre effective la gouvernance territoriale et la coordination des acteurs par la déclinaison des modalités d'intervention de la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi sur les territoires, la formalisation des plans d'action territorialisés à l'échelle des CTM, ou encore l'accompagnement à l'émergence de projets de pôles d'innovation et de coopération. La métropole donne 200 millions d'euros de moyens financiers qui seront répartis en deux volets. Volet 1, le financement d'opérations d'aménagement du domaine public en proximité avec un budget de 118 millions d'euros sur le mandat. Volet 2, le financement de projets opérationnels s'inscrivant dans les 7 axes stratégiques du pacte. Nous voterons favorablement à la délibération, mais nous ne jugeons pas nécessaires les deux amendements proposés. En effet, les avis des communes sont déjà pris en compte de manière obligatoire par la procédure des grands documents en jeu, plan local d'urbanisme et de l'habitat, règlement local publicité, etc. Ils le sont par ailleurs dans la construction des politiques métropolitaines, travail entre les services, consultation de la CMM et des CTM, et dans le dialogue entre le président de la métropole, Bruno Bernard, et les maires. Nous considérons que les communes disposent déjà de manière variée des moyens de faire remonter leurs spécificités territoriales, ainsi que d'espaces de dialogue et de travail avec la métropole sans nécessiter l'ajout de formalisations supplémentaires. Je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur Ndaye. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la France Insoumise, membre de la majorité municipale, votera le rapport de délibération présenté par le maire en vue de l'adoption en Conseil de la métropole du projet de pacte métropolitain 2021-2026. Ce document stratégique rappelle le fonctionnement de la métropole de Lyon en tant que collectivité à part entière régie, comme les communes, par le principe de libre administration. À cette étape de maturation d'un nouveau mode de gouvernance locale, qui doit trouver le bon équilibre démocratique entre les différents échelons, la répartition des compétences et l'égale considération des élus, tous dorénavant issus du suffrage universel, il apparaît que nous pouvons difficilement faire autrement. Oui, la machinerie est complexe et il faudra la bonne volonté de tous pour que l'enjeu de son fonctionnement courant ne devienne pas plus important que le déploiement des politiques publiques métropolitaines. La loi MAPTAM, que nous n'avions pas appelée de nos voeux, oriente le fonctionnement vers un mode de gouvernance où l'exécutif métropolitain est un exécutif fort. Il faut en avoir conscience. Cette gouvernance est marquée du sceau de la Ve République, pas des principes d'une VIe République élaborée avec le peuple. Nous sentons depuis 2015 monter en puissance un exercice quasi régalien du pilotage de la métropole de Lyon, avec un président et un véritable gouvernement. Néanmoins, nous voulons donner sa chance à l'organisation complexe proposée par le pacte, parce qu'il y a une volonté d'associer de manière démocratique les communes et la population. Nous jugerons l'arbre à la manière dont il pousse. S'il fait trop d'ombre ou oublie le citoyen, nous le rappellerons conformément à nos convictions et au mandat qui nous a été donné par les électeurs. Nous jugerons l'arbre à ses fruits. Les orientations de politique publique inscrites dans le pacte sont compatibles avec le projet populaire que nous portons pour notre métropole et notre commune.
Nous n'allons pas commenter ces orientations qui sont complètes et ouvertes à une évolution. Nous avons, comme vous le savez, deux aiguillons pour juger de la bonne mise en œuvre des objectifs de l'action de la métropole. D'abord, la prise en compte des réalités sociales de notre population pour une transition écologique efficace et égalitaire. Ensuite, l'impact pour l'évolution du territoire communal vénitien. Nous réaffirmons ici que Vénissieux, troisième commune de la métropole de Lyon, mérite une attention particulière pour y consolider un centre-ville à niveau de sa taille et d'un rôle d'animation de niveau métropolitain, un centre-ville fort et inclusif qui fonctionne en intégrant une partie des quartiers du plateau des Minguettes. C'est pourquoi nous redirons constamment l'impérieuse nécessité d'un équipement métropolitain sur le secteur Balme-Montmousseau pour faire de notre centre-ville un secteur de destination et de développement économique endogène. Voilà le centre-ville de Vénissieux qui est là à son sud et non pas dans son secteur nord du Grand Paris. Ce choix politique et urbain, nous le défendrons sans faiblir. Nous regrettons que l'action au titre de la politique de la ville, essentielle pour près de 40% de notre population, ne soit pas plus développée et soulignée, mais nous ne pouvions peut-être pas dans ce document et à ce stade faire mieux. C'est pour nous le second axe de jugement des fruits que donnera l'arbre métropolitain pour notre territoire. Nous soutiendrons donc ce pacte métropolitain clairement, sans réserve, si ce n'est celle qu'exige notre mandat politique pour nos concitoyens et notre territoire. La France insoumise est claire, elle ne fait pas dans le calcul à court ou moyen terme. Nous voulons prendre soin de nos habitants dans un environnement couvert d'incertitudes et poser les jalons d'une évolution équilibrée, verte et sociale de nos territoires. Loyaux et vigilants, nous serons tout au long de notre mandat. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Millet. Oui. Madame le maire, chers collègues, oui, ça fonctionne. Avec ce pacte de cohérence métropolitain, chacun peut constater concrètement le changement politique majeur intervenu en 2020 et qui, pour nous, peut se résumer en une phrase concernant la conception de l'institution. La métropole se construit avec les communes et non pas contre elles. Rappelons justement les contradictions des promoteurs de la métropole, qui auraient voulu absorber plus complètement les communes, mais n'ont pu le faire. C'est ce qui rend nécessaire ce pacte de cohérence pour définir les relations entre la métropole devenue collectivité et les communes, qui sont toujours des collectivités de plein droit. Le projet que nous a transmis la Conférence métropolitaine des maires est en effet très différent dans sa forme, comme dans son contenu, du pacte adopté en 2015. Fini l'introduction provocante qui présentait la métropole comme une revanche des villes contre la nation et la République. Fini la longue partie sur les valeurs de la métropole, comme si le pacte était un projet constituant d'une principauté au-dessus des lois de la République. Rappelons que, contrairement au discours réactionnaire des défenseurs d'une métropolisation au service des multinationales, la nation et la République se sont construites avec les communes. Permettez-moi un peu d'histoire. C'est en 1214 que Philippe Auguste gagne contre les seigneuries, le roi d'Angleterre et le Saint-Empire germanique, la bataille de Bouvines, avec les milices bourgeoises communales, au cri de « Commune, commune !». Et c'est le 14 décembre 1789 que la Constituante vote une loi créant les communes à la place des cités, bourgades, communautés et paroisses, officialisant le mouvement d'autonomie communale révolutionnaire. La loi, à cette époque, affirme que pour rompre avec les inégalités et bâtir une société nouvelle où chacun serait égal et où la raison primerait la tradition, il fallait des divisions administratives identiques dans le pays, ce qui allait donner les départements, les cantons et les communes. Oui, la commune et la nation se sont construites dans le même mouvement national de libération du peuple, et c'est la République qui leur a donné force de loi. C'est pourquoi nous avons porté dans la campagne métropolitaine notre ambition d'une métropole, des communes et des citoyens. Nous reviendrons sur la place des citoyens pour laquelle la vice-présidente Laurence Beauffey est au travail, mais nous retenons de ce projet de pacte qu'il a été construit avec les communes, à travers les conférences territoriales des maires, et qu'il a été adopté par la majorité métropolitaine des maires, bien au-delà de la majorité politique du Conseil de métropole. Le cœur de ce pacte est le principe de projets territoriaux élaborés par les communes dans le cadre des politiques métropolitaines,
des projets territoriaux auxquels sont consacrés des moyens en hausse, prolongeant les budgets de proximité et d'initiative communale pour consacrer 200 millions d'euros sur le mandat au territoire. Nous devrons dans l'année contribuer au projet territorial des Portes du Sud et bien entendu, notre ville y aura toute sa place. Le projet affirme un principe, là aussi, totalement nouveau sur les relations entre métropole et communes, en affirmant que l'information fluide et régulière des conseils municipaux sur les projets et actions de la métropole est primordiale. Nous souhaitons renforcer ce principe en lui donnant un support plus concret. C'est le but des amendements qui sont proposés et qui ouvrent la possibilité, Madame Ouattat, non pas l'obligation, pour une commune de donner un avis sur une délibération la concernant, avis bien entendu qui ne peut être que consultatif, mais qui serait la traduction dans ce processus délibératif de ce lien fluide et régulier entre la métropole et les communes. Soyons clairs, cela n'ajoute pas ni de délai, ni de tâches, ni de technocratie administrative. Cela concerne les dossiers qui sont de fait déjà travaillés entre métropole et communes parce que les compétences sont croisées. Nous sommes donc satisfaits de ce projet de pacte et nous souhaitons qu'il soit complété dans l'année par une démarche de participation citoyenne qui devra s'appuyer, elle aussi, sur les communes et leurs outils de participation, dont les conseils de quartier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Millet. Donc, une autre métropole se dessine. Il ne s'agit plus d'entrer en concurrence avec Barcelone, Turin ou une autre grande agglomération, de se livrer à une surenchère libérale et touristique dont profitent uniquement les plus puissants et de revenir au quotidien des habitants, à leurs besoins, à leurs demandes, à leur cadre de vie. Le préambule, ce ne sont plus de grandes envolées lyriques déconnectées de la réalité, mais bien le retour au terrain, au concret. Recentrer nos priorités, nos actions vers plus de proximité, repenser la nomenclature et l'architecture de la métropole en créant un pacte de cohérence qui renforce le rôle, les avis et la place des communes, rééquilibrer les projets et la répartition des financements entre les villes de l'Ouest et de l'Est de l'agglomération. Oui, la métropole a changé de nature, l'expérimentation de l'encadrement des loyers et la prochaine création d'un RSA jeune creuse un sillon beaucoup plus solidaire et social que lors de la précédente mandature. Nous avons tiré les leçons du premier pacte, dont le bilan est mitigé. Il y a eu des avancées avec le développement de compétences articulées, une gestion en bonne intelligence entre les deux niveaux de collectivité, mais aussi des limites et des manquements. Certaines politiques publiques auraient mérité une clarification des relations métropole-commune, à l'exemple de la convention que nous avions proposée pour la gestion du réseau de chaleur urbain. Les communes ont besoin de la métropole, mais la métropole a tout autant besoin des communes si elle veut inscrire ses actions dans la proximité et non dans une pratique technocratique éloignée de la réalité du terrain dont les habitants ne veulent pas. Notre majorité estime que la place des communes et des citoyens dans la métropole doit constituer le cœur du pacte de cohérence. C'est la raison pour laquelle nous proposons deux amendements afin de renforcer l'échelon communal et l'implication citoyenne. Ainsi, une ville doit être en mesure de porter à la connaissance de la métropole un avis sur un projet de délibération métropolitaine la concernant. Les avis des communes nécessitent donc d'être intégrés aux délibérations métropolitaines. Pourquoi une telle priorité ? Qu'une compétence relève de la métropole ou pas, personne ne peut ignorer les communes pour sa mise en œuvre, notamment dans la relation aux habitants. Mobilité, gestion des déchets, collège, solidarité, la relation de la métropole aux citoyens passe nécessairement par la commune, donc par un lien renforcé entre les différents degrés des collectivités impliquées. L'ascenseur politique que nous devons construire collectivement monte des habitants et des communes vers la métropole et non l'inverse. C'est un point central, capital, une articulation à repenser, améliorer par rapport au pacte précédent. À l'heure où le fossé, l'incompréhension, voire la défiance entre les citoyens et les centres de décision se creusent de façon abyssale dans notre pays, l'enjeu est majeur et nul ne peut l'ignorer. Dans le nouveau pacte de cohérence, la réforme proposée relative aux enveloppes territoriales semble plus égalitaire et plus transparente entre les communes de l'Ouest et de l'Est de la métropole. Pour notre territoire des Portes du Sud, 200 millions d'euros sont alloués à la conférence territoriale des maires, dont 118 millions pour des actions de proximité. Cet axe stratégique, cette priorité ont été définis, pour lesquels la coopération avec les communes est indispensable, revitalisation des centres-bourgs, éducation, mode actif, trame verte et bleue, l'alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage, qualité et dignité pour les logements, l'accueil et l'hébergement, développement d'une économie responsable, emploi et insertion. Le rôle des CTM sort renforcé dans ce pacte de cohérence, mais chacun se doute bien qu'il va faire l'objet de savants équilibres.
Néanmoins, la vision métropolitaine par territoire soulève de nombreuses interrogations. Elle peut nous conduire au meilleur, avec un développement harmonieux, comme au pire, avec des gestions spécifiques et différenciées entre les CTM. Dans le pacte républicain, comme dans le pacte métropolitain, la notion de continuité territoriale ne peut pas être à géométrie variable. Par ailleurs, si certaines opérations d'aménagement ou de proximité découlent des CTM, d'autres relèvent de la libre administration et de la souveraineté des communes. Là encore, l'un ne peut se substituer à l'autre. Ce pacte de cohérence ouvre de nouvelles pistes. Il y a une intention salutaire de rapprocher la métropole des habitants et une approche plus égalitaire entre les différents territoires. C'est une bonne chose après les années autocrates et centralisées du duo Colomb-Klingfeld. La construction de nouvelles relations habitants-communes-métropole doit intégrer dès maintenant les effets de la crise sanitaire et de la crise économique qu'on sait déjà extrêmement violente dans les quartiers populaires, mais dont on n'en mesure pas encore tout à fait l'ampleur ni les effets à long terme. La pandémie a montré à quel point le rôle des communes a été salvateur d'une réactivité inégalable pour tous nos habitants. La réussite de ce pacte de cohérence métropolitain se mesurera également à l'épreuve de toutes ces crises et à l'aune d'une solidarité sans faille à l'égard de tous nos territoires et de toutes les générations, des plus jeunes à nos aînés. Je vous remercie. Nous mettons aux voix, donc, qui est pour l'adoption ? Merci. Qui est contre ? Merci. Qui s'abstient ? Merci. Donc ce rapport est donc adopté. Nous passons au rapport 2 concernant la commission locale d'évaluation des transferts de charges mise en place entre la métropole et les communes membres, désignation des représentants de la ville. Madame Pétavin. Merci Madame le maire. Donc depuis 2003, la composition de cette commission dite CLECT, à l'époque donc, de la communauté urbaine, avait été fixée en retenant pour chaque commune un nombre de sièges à pourvoir égal au nombre de sièges de délégués communautaires dont elle disposait au sein du Conseil de communauté. La métropole donc, avait confirmé donc, en 2015, à la suite de la création de la nouvelle collectivité territoriale, la CLECT qui a été créée pour le mandat donc, 2014-2020. Cependant, compte tenu du mode d'élection des conseillers métropolitains, donc maintenant au suffrage universel direct, il n'est plus possible pour le mandat 2020-2026 de renouveler ce principe de composition, les élus métropolitains étant désignés par circonscription métropolitaine et non plus par commune. Donc, le Conseil de la métropole du 14 décembre 2020 a donc décidé de former une nouvelle CLECT de 59 membres. Chaque commune donc, doit donc désigner au sein de son conseil municipal un représentant titulaire ainsi que deux représentants suppléants. Sur la base donc, des populations légales fixées par le décret du 28 décembre 2018, applicable en l'espèce, la pondération résultante des 164 voix attribuées au sein de la CLEC donne pour la ville de Vénissieux donc 7 voix. Madame le maire donc, vous propose de désigner parmi les membres du conseil municipal un représentant titulaire et deux suppléants au sein de la CLEC métropolitaine entre les communes et la métropole. Donc nous proposons, Madame le maire propose de désigner de, comme titulaire M. Pierre-Alain Millet et comme suppléant, donc il en faut deux, Madame Monia Benaïssa et Monsieur Nicolas Poret. Elle vous demande donc d'approuver ce rapport. Merci. Il n'y a pas d'observation, donc nous passons aux voix. Qui est pour ? Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc ce rapport est donc adopté. Le rapport 3 concerne la jeunesse, appel à projet, jeunes et aussi citoyens, subvention aux lauréats, Nasser Kamla. Attendez deux petites minutes, ça ne marche toujours pas. Il n'y a aucun micro allumé par inadvertance. Ça y est ? Là, ça va mieux ? Il y avait un micro. Tant mieux. Donc, appel à projet jeunes et aussi citoyens, subvention aux lauréats. Par délibération du 20 juin 2016, le conseil municipal a officialisé le soutien de la ville aux initiatives de jeunes âgés de 15 à 25 ans dans le cadre de l'appel à projet jeunes et aussi citoyens. Pour la 5e édition, la date butoir de dépôt des dossiers était le 15 janvier 2021. Un dossier a été déposé
et son mandataire reçu en commission de sélection jeune et aussi citoyen. La commission, donc le jury de sélection des projets, s'est réunie le 5 février 2021. Un projet était donc sélectionné, puisqu'il n'y en avait qu'un. Pour rappel, le jury de la commission est composé, je vous laisse prendre connaissance des gens qui étaient présents. Donc le projet a été étudié sur la base de critères suivants que vous avez dans la liste. Donc après délibération, le jury a proposé que soit attribuée une subvention au candidat dont le projet a été sélectionné, voire en annexe, d'un montant total de 600 euros. Le mandataire reçoit la subvention en son nom. Si une association est créée au démarrage du projet, le mandataire qui en est le membre peut la désigner comme récipiendaire de la subvention. S'il n'y a pas d'association créée, et en cas de difficulté pour le mandataire du collectif de fournir un RIB jeune mineur, celui-ci désignera une structure associative partenaire sur le projet pouvant être récipiendaire de la subvention en son nom. Vu l'avis du bureau municipal du 22 février, Madame le maire vous demande donc d'allouer une subvention au lauréat de l'appel à projet jeune et aussi citoyen listé en annexe pour un montant de 600 euros. Je vous remercie. Merci. Monsieur Girard. Oui, donc, sauf en tourloupe de ce qui est toujours possible avec vous, ce projet retenu par le jury nous apparaît comme très pertinent et important. Un tel projet devrait aller dans le sens d'une saine égalité des chances, comme nous souhaiterions en voir beaucoup plus sur Vénissieux et comme nous l'avions inscrit au cœur de notre projet 2020 pour Vénissieux. Donc, notre groupe La République Partout pour tous votera favorablement ce rapport. Merci. Madame Charelle. Madame le maire, mesdames, messieurs les élus, depuis 2016, la municipalité de Vénissieux favorise le développement des projets et initiatives des jeunes de 15 à 25 ans sur son territoire dans le cadre de l'appel à projets jeunes et aussi citoyens. Il s'agit ici de mettre en avant les idées novatrices au plan social, culturel, scientifique ou environnemental avec une dimension citoyenne. Des actions de danses urbaines, visite de l'ONU, concours d'éloquence ou problématiques de l'accès à l'emploi se sont vus attribuer cette aide par le passé. Cette année, c'est le projet Les Talents de Vénissieux qui a été retenu. En partenariat avec l'association Article 1, ce projet a pour but d'accompagner les élèves du lycée jusqu'à l'entrée dans la vie professionnelle. C'est une aide dans l'orientation et la poursuite d'études. Dans la lignée des cordées de la réussite qui vise à susciter l'ambition scolaire, cette association est intervenue le 25 février au lycée Marcel Samba pour se présenter et prendre contact avec les élèves. En référence à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, l'objectif est de changer les visages de la réussite, de changer la vision de la réussite. En résumé, la ville de Vénissieux soutient aujourd'hui un projet qui valorise l'égalité des chances pour que nos jeunes soient accompagnés et encouragés dans leur parcours scolaire, les encadrer sur le chemin de la réussite, leur faire prendre conscience de leur potentiel, leur faire prendre confiance en eux. C'est un exemple de plus des réussites de la jeunesse vénitienne, loin des stéréotypes du ghetto. Notre jeunesse vénitienne est dynamique, engagée et citoyenne, et nous en sommes fiers. Merci. Nous passons aux voix. Qui est pour ? Je vais quand même vérifier. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, ce rapport est donc adopté à l'unanimité. Le rapport 4 concerne la commande publique. Le renouvellement de la convention de regroupement de commandes pour la fourniture d'électricité, de gaz et de services associés. Autorisation à signer la convention. Monsieur Millet. Oui, rien de bien particulier dans cette délibération qui fait simplement état que le CIGERLI a fait évoluer ses conventions pour différentes raisons qui ne changent rien aux conditions d'adhésion de la commune à ces marchés. Et simplement, cette délibération permet d'adapter au nouveau contrat proposé par le CIGERLI. Les objectifs étaient en fait de pouvoir plus, de manière plus souple, intégrer de nouvelles communes et aussi des structures publiques qui n'étaient pas que des communes. Donc il fallait pour cela modifier les termes du contrat, ce qui nous conduit à cette délibération pour adapter notre décision à ces nouveaux contrats. Voilà. Merci. Il n'y a pas d'intervention. Donc, si, monsieur Evali. Madame le maire. La mise en concurrence et la mutualisation des achats sont de bonnes choses pour faire baisser les coûts pour la collectivité et mieux gérer l'argent de nos impôts. Comme vous le savez,
Madame le maire, les marchés publics sont encadrés par le Code général des collectivités territoriales qui régit également le fonctionnement des commissions d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres de la commune de Vénissieux se réunit régulièrement et c'est certainement par le plus grand des hasards que cette dernière se tient à des heures en matinée où les élus de l'opposition ne peuvent pas y participer. La commission d'appel d'offres est composée d'élus qui sont issus du conseil municipal, majorité comme opposition. Ils sont l'émanation de l'organe délibérant. Ce qui signifie que cette commission est plurielle et que la présence des élus de l'opposition s'impose par la loi et contre votre volonté. Pourquoi tenir des commissions en matinée et pas en fin d'après-midi ou en début de soirée, comme à la métropole ou dans beaucoup d'autres communes? Pourquoi ces horaires impossibles? Avez-vous des sujets à cacher? Ou alors les agendas des élus de la majorité municipale et membres de la CAO seraient trop chargés? Pourtant, la majorité de vos élus sont des professionnels de la politique et leur métier, c'est élu à plein temps, et pour certains depuis trop longtemps. De toute évidence, l'expression du pluralisme au sein de cette commission est conditionnée par la présence des élus de l'opposition. C'est une garantie de transparence pour l'attribution des marchés publics. Madame le maire, les élus membres de la CAO vous ont demandé de décaler les horaires pour qu'ils puissent être présents. Force est de constater que les demandes sont restées sans réponse et que vous continuez de tenir les commissions en matinée, donc sans la participation des élus de l'opposition. En effet, il est nul besoin de convaincre sa propre majorité du bien fondé des décisions de la commission d'appel d'offres pour l'attribution de marchés publics sans la présence des élus de l'opposition. Loin de nous l'idée de jeter le discrédit sur les membres de la commission, bien qu'ils soient également membres de l'exécutif municipal, cependant, cette méthode nous interpelle. Madame le maire, on vous rappelle que la commission d'appel d'offres est un organe délibérant qui est investi par un pouvoir de décision, ce qui signifie que les décisions prises par la CAO pourraient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et conduire à des contentieux. Merci. Monsieur Millet. Oui, juste un élément de réponse. Monsieur Evalli, vous remarquez, ce n'était pas très surprenant. Vous avez commencé votre intervention en vous félicitant de la mise en concurrence. Alors, pour nous qui sommes des défenseurs du service public et du tarif régulé, eh bien, je veux simplement attirer votre attention sur les faits. Donc, lors de la première mise en concurrence, quand le CIGERLI a lancé une consultation, il y a eu un certain nombre de propositions, et les tarifs se sont révélés un peu en baisse. Tout le monde était content. Mais c'était la première fois. La deuxième fois, eh bien, évidemment, tous les tarifs étaient en hausse. Et nous nous sommes pris plus 5 points sur nos marchés pour l'ensemble de nos dépenses d'électricité. Au passage, c'est un grand acteur mondial de la transition énergétique, Total, qui avait réussi à obtenir ce marché. Donc, vous voyez, monsieur Evalli, nous avons bien des différences politiques assez nettes. Je vous rappelle simplement, pour que tout le monde ait quand même bien les informations, même si vous êtes dans l'opposition, les élus de l'opposition ont droit par leur employeur à un temps également. Ben oui, c'est la loi parce que justement, c'est délibérant. Voilà, et je rappelle aussi que dans cette commission, il y a des fonctionnaires qui viennent expliquer un certain nombre de sujets. Donc effectivement, nous le faisons en journée. Nous passons aux voix. Qui est pour ? Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc ce rapport est donc adopté. Le rapport 5 concerne l'information, donc c'est un rapport sans vote pour information. C'est un rapport annuel donc sur 2019 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Monsieur Sgaillère. Mesdames, Messieurs, donc la loi 95-101 du 2 février 1995 de renforcement. Monsieur Sgaillère, mettez le micro devant vous. Merci. On ne vous entend pas bien. La loi numéro 95-101 du 2 février 1995 de renforcement de la protection de l'environnement a institué un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Donc le décret 95-635 du 6 mai 1995 précise qu'il est présenté de la même manière un rapport pour le service public de l'assainissement. Ce rapport annuel a été présenté pour l'exercice 2019 au Conseil de métropole le 14 décembre 2020. Donc,
Sur la base de consommation annuelle de 120 mètres cubes, en cumulant la part eau potable et la part assainissement, le prix du mètre cube d'eau potable consommée est rejeté à l'égout public pour un abonné des services d'eau et d'assainissement collectif s'établissait au 1er janvier 2020 à 3,15 euros. Et en 2019, au 1er janvier 2019, il était plutôt de 3,13 euros, soit une baisse de 2 centimes. Donc en 2019, dans le cadre du budget annexe de l'assainissement et de l'eau potable, la métropole a réalisé pour 45 millions d'euros d'investissement. Et pour financer et réaliser dans le cadre du budget annexe des eaux, 33 millions d'euros financés à la fois par la métropole et son délégataire Eau du Grand Lyon. En ce qui concerne la qualité de l'eau, l'eau distribuée au cours de l'année 2019 a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux limites de qualité réglementaire pour l'ensemble des paramètres physico-chimiques mesurés. Donc le rapport est mis à la disposition du public auprès de la direction du cadre de vie, service environnement en mairie de Vinicieux. Le rapport 2019 de la métropole sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement peut être consulté en ligne et téléchargé à l'adresse du grandlyon.com. Merci. Donc, effectivement, il n'y a pas de vote sur ce rapport. Y a-t-il des observations une intervention ? Bon, donc, nous passons au sixième rapport concernant... donc, là encore, c'est un débat sans vote sur les orientations du règlement local de publicité de la métropole de Lyon. Donc, toujours, M. Sgaillère. Donc, Madame la maire, Mesdames, Messieurs, la ville de Vinicieux a adopté en 2006 un règlement local de publicité extérieure permettant d'adapter sur son territoire les règles nationales définies par le Code de l'environnement applicable à l'affichage extérieur, donc publicité, les enseignes et les préenseignes. Donc la métropole doit donc harmoniser les règles en matière d'affichage extérieur au sein de l'aire métropolitaine. Pour cela, une procédure d'élaboration d'un RLP métropolitain est en cours. Il a été procédé à un débat sur les orientations du projet de règlement local de publicité lors de la séance du Conseil de métropole du 25 juin 2018. La métropole souhaite aujourd'hui renforcer ses orientations pour agir plus fortement dans la protection du cadre de vie métropolitain. De ce fait, un nouveau débat a été conduit lors du Conseil métropolitain du 25 janvier 2021. Donc, conformément à l'article du Code de l'urbanisme et à l'article du Code général des collectivités territoriales, ces orientations sont soumises à un débat au sein des conseils municipaux et d'arrondissement des communes situées sur le territoire de la métropole. C'est pourquoi il vous est proposé de débattre sur les quatre orientations prévues par la métropole pour élaborer le projet de RLP. Donc le premier, c'est la préservation de la qualité paysagère par une limitation du numérique, des bâches et du mobilier urbain. Le second, la lutte contre la pollution lumineuse. Troisième, le développement d'un cadre de vie apaisé par une réduction de la taille de la publicité. Et pour le quatrième et dernier, c'est l'harmonisation réglementaire en uniformisant les RLP et en réduisant le nombre de zones réglementaires. Donc une enquête publique sera faite en janvier et février 2022 et une approbation du RLP prévu en juin 2022. Bon, vous trouverez en annexe le support de présentation du débat du Conseil métropolitain du 25 janvier 2021. Merci. Madame Ouattara. Madame le maire, encore un petit point de vocabulaire d'abord. Ce rapport numéro 6 est à nouveau présenté sous le titre « Information intercommunalité ». Vous le savez, l'intercommunalité est le regroupement de municipalités dans une structure légale en vue de coopérer dans un ou plusieurs domaines. Je viens de citer la définition de la notice Wikipédia. Comme le rappelle votre rapport, la compétence des règlements locaux de la publicité relève depuis la loi du Grenelle de l'environnement de la métropole de Lyon.
Or, vous le savez aussi, la métropole de Lyon n'est pas une intercommunalité, mais une collectivité locale à part entière. L'utilisation du terme intercommunalité est donc impropre. Sauf à vouloir nous faire savoir que vous regrettez que le Grand Lyon, dont vous êtes une vice-présidente, soit devenu une collectivité locale. Sur le fond maintenant, nous nous réjouissons de l'aboutissement de ce nouveau règlement local de publicité lancé en 2018. Nous sommes en effet tout à fait d'accord avec les quatre orientations proposées qui visent toutes à réduire globalement l'impact visuel et environnemental de la publicité. Nous pouvons même partager le constat de la même métropole qui estime que la publicité promeut très largement un modèle de société non compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Cependant, nous savons aussi que votre municipalité a largement utilisé des supports de publicité commerciale pour bénéficier d'espaces de communication publique. Que ce soit les panneaux d'affichage de type sucette ou les immenses panneaux 4 par 3, votre communication institutionnelle dépend largement de ce type de mobilier urbain. Or, le projet de règlement local de publicité prévoit de limiter la taille de ces publicités sur mobilier urbain à 2 mètres carrés maximum. Nous aimerions avoir la confirmation que la mairie va déposer ses panneaux d'affichage et connaître les conséquences financières pour la ville de ces opérations. Nous vous remercions. Merci. Juste pour votre information, il n'y a plus depuis quelques années déjà des 4 par 3. Bah si, il y en a. Non, c'est des 8 mètres carrés. Ah, si, il y en a. Ah non, c'est des 8 mètres carrés, madame. Monsieur Girard. Ah oui. Ah bah oui. Donc, comme l'indique la présentation, la publicité peut porter une atteinte esthétique et paysagère et doit donc faire l'objet d'une réelle vigilance. Mais les prises de position de votre majorité à la métropole au sujet de ce règlement local de publicité sont très inquiétantes et révélatrice de votre sectarisme, voire totalitarisme. Sous couvert de votre bien-pensance, vous souhaitez, par des méthodes dignes des pires systèmes de manipulation des peuples, assurer, via la publicité, votre propre propagande. Vous n'hésitez pas à annoncer votre volonté de piloter les contenus publicitaires pour influencer les masses afin d'imposer votre modèle de société écolo-libertaire. Ou plus exactement, votre déconstruction de la société dont souffre tant notre époque. Hélas. Non, mais c'est sérieux, parce que vous, vraiment, quand on prend le document, on se rend compte que vous voulez influencer le fond des publicités. Donc, hélas, nous avons bien conscience que rien ne vous arrêtera dans cette déconstruction que vous menez depuis tant d'années et qui produit les pertes de repères dont nous subissons au quotidien les méfaits. Vous en porterez la responsabilité accablante devant les générations futures. Dénoncer cela ne vous empêchera pas de sévir et de nuire, mais il est de notre responsabilité morale d'exercer notre devoir d'alerte. Merci. Monsieur Ben Mabrouk. Merci, Madame le maire. Donc, pour notre groupe Réponse Nouvelle, je voudrais quand même, avant de lire mon intervention, rappeler que la publicité... est quand même présente et fait des publicités sexistes et machistes, donc, et qui présente aussi souvent les femmes comme des consommatrices écervelées. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion de le rappeler. Madame le maire, mesdames et messieurs, d'après l'économiste Serge Latouche, trois ingrédients sont nécessaires pour que la société de consommation puisse poursuivre sa ronde diabolique. La publicité, qui crée le désir de consommer, le crédit, qui en donne les moyens et déculpabilise, et l'obsolescence accélérée et programmée des produits, qui en renouvelle la nécessité. La délibération invite les communes à mettre en place un règlement local de publicité plus restrictif, encadrera la taille, la densité des panneaux lumineux et leurs horaires de fonctionnement. La liberté d'expression est fondamentale, mais elle ne doit pas être pour autant prendre le pas sur la liberté de réception. Chaque personne en France
reçoit entre 400 000 et 800 000 messages publicitaires par an. Il est utile de le rappeler que les principaux annonceurs que l'on voit dans la publicité d'affichage sont issus principalement des secteurs de la grande distribution et de l'automobile. Et seule une minorité des 3,5 millions d'entreprises en France est présente sur ce marché. 80% des dépenses publicitaires sont réalisées par environ 600 entreprises en France. L'affichage dans l'espace public ne se réfléchit pas toutefois qu'à un terme de réduction de panneaux. La publicité ne s'adresse pas qu'aux consommateurs au détriment des citoyens éveillés. N'oublions pas que la publicité représente aussi la culture, le sport, les associations, les initiatives locales. À l'heure des baisses de dotation de l'État, nous serons attentifs à ne pas perdre les recettes issues de la publicité, taxes locales sur la publicité extérieure et redevances des différents contrats de mobilier urbain. Nous partageons les objectifs de cette délibération et notamment sur un cadre de vie plus apaisé. Mais nous avons le sentiment que cette délibération est déjà un débat dépassé. Avec la crise de la Covid, nous assistons à une hyper-digitalisation qui est loin d'être terminée. Les Français se projetant dans un usage tout azimut du numérique, e-commerce, réseaux sociaux, vidéos à la demande, gaming, télétravail, télémédecine, les foyers sont ainsi devenus des vrais hubs de services en faveur du rester à la maison. Les annonceurs se sont déjà repositionnés. La publicité numérique est déjà là, présente sur tous nos écrans, et le secteur du numérique en général demande beaucoup d'énergie pour fonctionner. C'est un grand consommateur de ressources naturelles non renouvelables. Si le numérique était un pays, il serait le troisième consommateur mondial d'électricité après la Chine et les États-Unis. À méditer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alaoui. Madame le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, la préservation de la qualité du cadre de vie, enjeu majeur pour les territoires et les populations, est au cœur des politiques du paysage. La réglementation relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes s'inscrit dans le prolongement de cet objectif. Ce règlement local de la publicité nous rappelle que la ville est aussi un choix esthétique. Un choix culturel. Nous sommes nombreux à rêver d'une ville qui donne à voir ce qu'elle a de meilleur en architecture, en paysage et nature, en vie culturelle et sociale, et à considérer que la publicité est de tout point de vue un cancer qui défigure la ville. Il est vrai qu'on ne peut rêver d'une ville sans publicité, sans rêver d'une autre société dans laquelle ce n'est plus l'offre qui dirige la demande à travers des dépenses toujours plus grandes pour séduire, accaparer l'attention, éliminer les informations concurrentes, capter le temps de cerveau disponible, comme le disait un grand communicant de ce capitalisme de la séduction. Peut-on imaginer une société où la publicité est réduite à l'information factuelle et contrôlée sur les produits et où les moyens décuplés sont à la disposition des consommateurs pour exprimer leurs besoins, leurs attentes, leurs usages et intervenir ainsi dans la conception des produits et services du seul point de vue qui devrait compter, la valeur d'usage des choses et non la valeur marchande? Peut-on rêver d'une société où le financement des infrastructures est public, déniant à quiconque la possibilité de s'approprier des réseaux, quels qu'ils soient, question essentielle quand on constate la remise en cause accélérée de la neutralité d'Internet. Imaginons des routes dans lesquelles le flux vers les grandes surfaces qu'elles desservent sont priorisés. Peut-on rêver d'une société de la gratuité parce que la puissance publique apporte un service garanti à tous et que son financement repose sur la seule activité créatrice de la valeur, le travail? Et le seul prélèvement juste et efficace, celui inventé par la Révolution française, l'impôt progressif. Nous sommes sûrs que nous ne sommes pas seuls à rêver d'une société libérée des chaînes de la marchandise. Mais
Vous me direz que nous sommes bien loin de la délibération. Pas vraiment, car au fond, ce choix de société est aussi un choix de ville. Et nous avons fait notre choix. Nous ne voulons pas de Las Vegas. Mais nous n'avons pas peur de la ville, de la grande ville au contraire. Une ville qui ne se livre pas à la publicité n'est pas une ville triste, éteinte, grise. Et les Lyonnais sont bien placés pour le savoir quand ils admirent la ville des murs peints, la ville des illuminations. Ce choix de ville n'est pas un choix entre une ville éclairée et communicante et une ville éteinte et muette, mais le choix entre une ville qui montre ses artistes et ses citoyens et une ville qui montre ses produits et ses remises. Je vous remercie. Merci. En juin 2022, après un long processus de consultation et d'avis des communes, le règlement local de publicité deviendra métropolitain et sera appliqué sur l'ensemble du territoire. Les objectifs de la métropole sont la préservation de la qualité paysagère et urbaine, la lutte contre le développement d'un cadre de vie apaisé et l'harmonisation des règles et du développement d'une équité à l'échelle de la métropole. Nous inscrivons pleinement dans les orientations prises afin que nos villes gardent leur identité et nos espaces publics un équilibre entre citoyenneté et enseignes privées. En France, bon nombre d'entrées de villes sont défigurées par les panneaux publicitaires, deviennent illisibles au point de ne plus ressembler à rien. Nous nous sommes toujours opposés à cette saturation des signes et des sigles commerciaux. À Vénissieux, dans nos rues, sur nos boulevards et avenues, tout n'est pas marchand, pas plus qu'il ne faut confondre clients et citoyens. C'est la raison pour laquelle notre règlement local de publicité a toujours été plus restrictif que le Code de l'environnement, dans le but évident de préserver la qualité urbaine et paysagère de notre territoire. Lors de son élaboration et de son application en octobre 2018, notre ville avait demandé à la métropole de garder nos caractéristiques, à savoir la limitation du 8 mètre carré des panneaux publicitaires et de la publicité numérique à une taille maximum de 2 mètres carrés, la préservation des zones d'interdiction totale à proximité des parcs de Paris, Minguette et Dupic, ainsi que des sites forts à caractère urbain et paysager, mais également nos écoles, par exemple. En avril 2019, pour une durée de 8 ans, notre ville a confié à la société Deco l'affichage de la communication municipale sur des panneaux de 8 mètres carrés en contrepartie de l'affichage publicitaire. J'insiste sur ce point car il me semble très important de distinguer l'information municipale et citoyenne de la publicité privée et marchande. Elles n'ont pas le même objectif. L'une sert le bien commun et le vivre ensemble, l'autre des intérêts privés. Nous veillerons à garder, bien évidemment, tout ce qui relève des campagnes d'information et de programmation de nos équipements adressés aux Vénitiens. Le règlement dont nous parlons ce soir pose des principes de base qui feront l'objet de discussions et d'aménagements dans le temps. La proposition d'une limitation de la taille de la publicité sur le matériel urbain à 2 mètres carrés maximum sous-entend donc la disparition à terme des panneaux de 8 mètres carrés. À Vénissieux, on estime que 60 panneaux sont concernés par cette mesure, 45 chez des particuliers privés et 15 pour la ville. La métropole devra donc imaginer des mesures d'accompagnement, tenir compte également des délégations de services publics passées dans de nombreuses villes avant de finaliser un règlement définitif à l'horizon 2022. Vénissieux œuvre au quotidien pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. Elle saura être au rendez-vous tout au long du processus de concertation de ce prochain règlement local de publicité métropolitain. Je vous remercie. Alors, non, ce n'est pas fini. Je vous vois tous déjà vous ranger les affaires. Je voulais simplement vous donner une information, comme l'a fait Madame Dehan en saluant cette journée international du droit des femmes, Je voulais vous donner une information qui concerne effectivement l'AVP en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Donc, j'ai annoncé vendredi une grande campagne, une grande collecte du 8 mars au 28 mai. Pourquoi le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et le 28 mai, journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Donc c'est une collecte qui durera du 8 mars au 28 mai afin de lutter contre la précarité menstruelle. La ville de Vénissieux, bien évidemment, s'associe parce que en tant que VP, j'ai écrit au maire qui souhaitait... Alors, il y a dans les équipements métropolitains comme les MDM, les boîtes de collecte.
Et les mairies peuvent s'associer. Donc nous, Vénissieux, nous associons complètement à cette collecte. Il y a donc deux points de collecte dans les MDM, à Paris et au Corralin. Et il y en a une également à l'Hôtel de Ville. Voilà, donc c'est une collecte qui est faite avec un partenaire, donc Règles élémentaires, une très belle association qui lutte déjà depuis plusieurs années. Et du coup, cette association va toutes les trois semaines venir chercher la collecte. Donc c'est tout type de collecte, hein, c'est effectivement... Je ne vais pas détailler tous les produits, lingettes, etc. Il y a une affiche au point de collecte et vous pouvez effectivement... Donc, Règles élémentaires viendra chercher les dons et ensuite les distribuera donc, à plusieurs associations, des associations de solidarité, bien évidemment, comme le Tambour, comme le Secours Populaire, comme tant d'autres, mais également aux associations étudiantes. Et dans le même temps, il y aura un bus qui va à la rencontre des étudiants à partir du 13 mars. Et les points de collecte métropolitains, comme l'hôtel de la métropole, cette collecte-là ira dans le camion à la rencontre des étudiants. Voilà, je pense que c'est une belle initiative qui relève bien évidemment de la dignité des femmes, mais également de la solidarité, et c'est aussi une question de santé publique. Donc je voulais faire cette annonce au conseil municipal, et j'espère que vous relayerez le plus possible cette information, et j'espère qu'on pourra en tout cas produire des produits justement de qualité et éviter des substitutions qui peuvent mettre la santé des femmes en danger. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée.